La psychiatrie, c'est le gras. Hippocrate disait déjà à l'époque que l'alimentation soit ta première médecine. En effet, notre cerveau est composé à 50% de graisse. Ces graisses constituent les membranes de toutes nos cellules, et donc des cellules de notre cerveau, les neurones. Parmi ces graisses, il y a notamment le cholestérol, les oméga-3, les oméga-6. Mais quel est le rapport avec la psychiatrie? En France, il y a une maladie qui touche 600 000 personnes. C'est la schizophrénie. Elle serait la conséquence d'interactions entre le patrimoine génétique d'un individu et son environnement, notamment l'alimentation. Donc, on ne naît pas schizophrène, on le devient. Ainsi, en psychiatrie, on appelle patients à ultra haut risque des patients qui présentent des symptômes dits atténués. Mais ils ne sont pas encore malades. Un tiers d'entre eux vont devenir schizophrènes 3 ans après l'apparition de ces symptômes. Mon objectif, c'est de trouver un moyen simple d'identifier parmi ces patients à ultra haut risque ceux qui vont basculer vers la schizophrénie. Or, des études antérieures chez des patients schizophrènes ont montré des anomalies dans le gras des membranes, des neurones et des globules rouges. Donc, pour ma thèse, j'ai analysé les membranes des globules rouges d'une 60aine de patients à ultra haut risque, dont la moitié est devenue schizophrène et l'autre pas. J'ai mesuré les proportions de chaque graisse dans ces membranes et, en me basant sur les taux d'oméga 6, j'ai pu distinguer 2 sous-groupes. L'un avec peu d'oméga 6 et un autre avec beaucoup d'oméga 6. Et devinez quoi ? Il y a 2 fois plus de patients qui sont devenus schizophrènes dans le groupe avec beaucoup d'oméga 6. Mais alors, si le gras des membranes modifie le risque de devenir schizophrène, est-ce que l'alimentation peut modifier le comportement ? Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Pour essayer de répondre à cette question, j'ai fait des expériences sur des rats. L'avantage, c'est que je peux contrôler leur environnement et notamment leur alimentation. J'ai fait 3 groupes. Je leur ai donné à chacun une alimentation spécifique avec la même quantité de graisse, mais pas les mêmes proportions. La première était riche en oméga 3, la deuxième riche en oméga 6 et la troisième riche en oméga 9. J'ai testé le comportement de chaque rat à l'âge adulte et j'ai constaté des différences en fonction de l'alimentation. Les rats avec le régime riche en oméga 3 sont moins anxieux que les rats avec le régime riche en oméga 6. Donc, l'alimentation a bien un effet sur le comportement qui varie en fonction des proportions d'oméga 3 et d'oméga 6. Ce qui confirme ce que Paracelse disait, tout est poison, tout est breuvage, tout est une question de dosage. L'étape suivante sera de recruter des patients ultra haut risque avec de forts taux d'oméga 6 dans leur membrane et de voir si, en leur donnant des oméga 3, on peut réduire leur risque de devenir schizophrène. Donc, la psychiatrie, c'est le gras c'est la vie, et je vous souhaite un bon appétit.